Alors, on y va pour les commentaires. L'arbitre a de la merde dans les yeux. On nous dit souvent, si vous êtes le plus près possible, on ne pourra jamais contester votre décision. Ça, c'est archi faux, parce que plus ça se passe devant nous, et plus c'est gros, plus on arrive à nous dire qu'on a de la merde dans les yeux. Les arbitres abusent de leur pouvoir. Bah oui, c'est bien connu. On est juste là pour complètement décharger notre manque de pouvoir dans la vie de tous les jours. L'arbitre a-tu touché une grosse somme pour arbitrer comme ça? Moi, j'ai jamais rien touché, non. La seule chose que je touche, c'est l'herbe en rentrant sur le terrain pour voir si c'est sec ou si c'est mouillé. Elle ne comprendrait rien au foot. Ouais, quand je vois que je suis plus souvent critiquée par des hommes que par des femmes, je me dis, je sais pas si c'est nous qui comprenons rien. Donc les lois du jeu, ça fait une centaine de pages, c'est vraiment quelque chose de très technique. C'est pas une question de femme ou d'homme, c'est vraiment de la critique facile. Une femme n'a pas arbitré un match d'homme. Ça, c'est triste. Le fait qu'une femme ne puisse pas évoluer dans un milieu, dans n'importe quel milieu, la terre appartient à tout le monde, c'est une phrase qui peut vraiment pas exister à l'époque actuelle à laquelle on parle, c'est pas possible.